Ah non, 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 y a plus qu'un chien là. Je croyais, je croyais, je croyais. Instant. Ah oh, putain, il fout chier. Alors, on va se prendre ça du coup. Ouais, il m'envoie tout le mec. Bon, restez tranquille. Restez tranquille. Je sais pas où ils sont. Que j'avais plus ou moins tué ou presque. Il est là. Oh, calme-toi. Attends, j'ai plus de bandage. Ah, j'ai plus d'armes. Ouais, ça on peut récupérer. Ok, un de mort déjà. Ça c'est cool. J'ai plus trop de munitions. Ouah, ils sont en train de m'éclater tout. T'es là toi. Tiens. Et vous barrez comme ça, comme des merdes. Incroyable. Salut à tous, c'est Swanton. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Subsistance. Alors du coup, petite habitude que je commence à prendre, je vais réparer ça, je vais me faire quelques planches, voilà, donc bah je vais réparer tout ce bordel, on va se manger ça, voilà, ça sera beaucoup mieux, je voulais aller remplir les gourdes, mais je les ai vus débarquer, et du coup, j'avais plus trop envie. Ils m'ont quand même bien défoncé. Oh là là. Ça, faut vraiment qu'on se le passe. Absolument. Et il y avait ça aussi. Il est à 300 points de vie. C'est quand même affreux. Je me remplis les gourdes. Je les fais cuire. On va se regarder ce qu'il avait dans son sac, lui. Si on peut avoir des petites pièces d'arc, franchement, ça serait cool. Il est mort où? Il est mort là. Oh, deux pièces d'armes. Bon, alors ça, c'est carrément propre. La petite poule, moi ça m'intéresse. Je crois même que je peux la foutre dedans. Alors je vais complètement clôturer ça. Complètement. Et je me ferai excellent. Par contre, j'ai rien à leur donner à manger. Et ça c'est moche. On va se réparer ça aussi. J'en ai vu un de cassé. Voilà, là. Voilà. Et pour un coup, j'ai un peu de clous. Et ça, ça me fait plaisir. Alors du coup, on va se casser ça aussi. Qu'est-ce que j'avais fait là-dedans? Donc, je voulais faire ça. J'en ai 4. Et je crois que je peux en refaire 2. Mais en vrai, ce qu'il faudrait surtout... ce serait d'en avoir 10. Du coup, on est à 12, il nous en manque plus que 3. Et ça peut être très, 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 très intéressant. On va garder le pompe, on va virer ça. Et une fois qu'on a récupéré le four et au moins la poêle, l'idée du jour, ce serait de se faire ça. On essaiera... Oh, les oignons sont prêts. Ok. Je vais essayer de donner à manger au poulet... Ouais, je vais leur donner ça directement, et ça, voilà. Ils sont vraiment dans le mal. Voilà, et là j'ai 6 oignons. Voilà, je vais leur donner la gourde. Là normalement, je pense qu'ils sont bien. Ouais, donc une fois qu'on a le four et la poêle, je mettrai des lumières en extérieur. Que quand ils attaquent de nuit un peu comme ça, enfin là ça va, ils faisaient plus ou moins jour ou presque, mais ouais, j'ai du mal à les repérer. Du coup, une petite lumière à l'extérieur, je pense que ça serait
pas une si mauvaise idée que ça. On n'a plus de cuir. Ça, c'est pas cool. On a ce qu'il faut pour faire les deux lingots qui manquent. Hop. Est-ce qu'on a l'énergie aussi? Voilà, donc déjà, on a le four qui est prêt. Il faut un peu de minerai. Alors du coup, il nous faut... Dans cet épisode, il nous faut absolument du cuir. Du cuir et... Ah, j'ai un gros trou de mémoire là. Raffiner ça, mais... Ah oui, je sais ce qu'il faut. Il faut du gras. C'est ça qu'il nous faut. Parce que sinon, je vais pas pouvoir y arriver. Du coup, on va se prendre du bois. Hop, voilà, parfait. Ouais, et traîner sans bandage avec les temps qui courent, franchement, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Et on va essayer de monter à 10 en lingots. Pour être tranquille. Et si jamais on se refait attaquer... Ouais, on fera ça pour le prochain épisode. On fera ça pour le prochain épisode. Voilà. Donc, en gros, là, on va juste se faire quelques flèches. Et ensuite, on se barre. Et dans le prochain épisode, je vais préparer un petit peu avant. Ou même peut-être ce soir, après le four, si on peut. Combien il faut d'énergie pour la poêle? Du coup, il faut 500 d'énergie. Du zinc, je suis pas sûr d'en avoir. Oh si, large. Ouais, du coup, on n'est pas trop mal. Là-dedans, il va manquer de l'engrais. Je pensais en avoir mis, pourtant. Ok, bon. Voilà, on a bientôt le coton qu'il nous faut. Voilà. Moi, je veux absolument manger du foie à l'oignon. Et le foie à l'oignon, on l'aura que avec des oignons. Voilà, c'est parti. Ouais, du coup, je vais fermer ça. Voilà, là, là. Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi c'est brisé comme ça? Ok, parce qu'il a un peu de dégâts. Je le réparerai de l'intérieur. C'est pas un problème. Donc, si les chasseurs attaquent, j'espère être à la maison. Ça serait cool. Alors on va se faire un petit voyage tranquille. On va pas aller trop loin. J'aimerais bien pouvoir switch entre le métal et le cuivre. Oh, un bandage. Alors ça c'est quand même assez sympa. Alors si on voit du lapin sur la route, comme l'habitat est complètement plein, voilà, on se mettra directement des bandages sur nous. Après, j'ai vraiment pas besoin spécialement de cuir, hormis peut-être pour réparer ça. Ah, d'ailleurs, ouais, peut-être, ouais, ce sera plus tard. Allez, je prends ça vite fait. Y a un petit loup dans le coin. Ok, attends. Oh, un petit cuir. Ça, c'est propre. Du coup, je vais me faire un bandage avec et les autres, je les garderai. Non, mais attends, je me casse. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Par là, il y a les chasseurs. On va peut-être pas y aller. Il y a l'air d'avoir un loup aussi. Oh, une petite poule. Dommage. Ouais, donc on va passer par là, tranquille. On les évite pour le moment. Et ouais, donc comme je vous disais, la prochaine fois on se fera des grenades. Et la première baraque qui m'attaque, si j'arrive à les descendre, on file rapidement là-bas. Là, eux, ils sont 4 ici. Et là-bas, ils sont que 3. Voire peut-être 4 maintenant. Parce que là, on va commencer à toucher l'hiver. On est au mois d'octobre. Donc, ouais. J'aimerais bien faire un petit raid avant l'hiver, histoire de... Parce qu'après, on va pas
trop pouvoir sortir. Une caisse à clous, ça m'intéresse. Et ça me donne des cordages. Si on voit un sanglier, on se le fait. Oh, des planches. Ça, c'est pas mal. Ok. Arbre récupéré. Donc ouais, si on se trouve du sanglier, on se le fait pour récupérer un max de gras. Parce que... ou un loup level 1. J'en ai croisé un tout à l'heure en plus. J'aurais peut-être dû le tenter. Qu'est-ce qu'on n'est pas bien en bouffe. On va se manger un petit verre. J'irais bien voir là-dedans quand même. Hein, ça devient une routine presque. Ça c'est du grès, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc je favorise le four, absolument. Et après on se fait vraiment un petit peu le... On s'agrandit la maison et on s'améliore tout ça. Parce que comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, en gros, une fois qu'on a le four, le jeu, c'est plus du tout le même. L'XP montera beaucoup plus vite. Et du coup, ça commencera à devenir vachement plus intéressant. Et ça sera encore plus intéressant quand on aura le t-shirt robuste. Et le pantalon robuste, voire même le voilà, quand on a l'armure complète, franchement, si on est à 100 points de vie et qu'on a l'armure complète, franchement, ça sera carrément correct. Ça, on va se la récupérer. Les lingots, c'est important pour l'instant. Ou alors. Ouais, déjà, je vais faire ça. On va essayer de choper un peu de biocarburant pour faire tourner mon truc. Là, j'ai pas envie que le frigo s'éteigne. C'est vraiment pas le but. J'ai pas envie de tout perdre. Encore une fois. Ouais, non, attends, je prends ça et je m'en vais, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Alors... Il est level combien lui? Allez viens là. Oh il est level 1. Allez fais le petit dodo. Voilà, alors s'il pouvait me donner au moins 3 gras. 3 gras. Ouais 2 c'est pas mal. Et en plus on se prend un cuir, ça c'est cool. Un foie c'est pas mal aussi. Un antibio. On verra ça pour cet hiver, on se fera des petits stocks d'antibiotiques. Alors ça c'est cool, un peu de fer. Ah il y avait un lapin, ça c'est dommage, viens là toi le petit lapin. Arrête de courir comme ça. Oh il est parti super loin. Ouais, je pense même qu'il va déjà faire nuit en vrai. En même temps, l'attaque des chasseurs. Oh putain. Eh bien là, toi. Au pire, on pourrait peut-être mettre un lapin dans l'habitat. Juste histoire de se refaire un peu en tissu et après, on sera pas mal. Il va me falloir des tissus pour me faire le manteau et il va m'en falloir 6 ou 8. J'ai l'impression que c'est 8. Aller me laver les mains vite fait. Là en novembre il va commencer à avoir les octobre novembre il va commencer à avoir, est-ce qu'il est toujours en route, il va commencer à avoir la neige qui va commencer à se poser.
ouais, il va nous falloir du cuir. Beaucoup de cuir. Là-bas, c'est une poulette. Ouais, tant pis. Level 2, c'est beaucoup pour l'instant. Les chasseurs sont peut-être dans le coin. Bon, je vais récupérer un peu de bois et après on va rentrer, je pense. On va essayer de faire un petit peu de gestion de base là. Le temps de réparer et tout. Ça sera quand même vachement. Et demain matin, le jour se lève et on se barre direct. Regarde s'il n'y a quand même pas des minerais ou des loups level 1 comme celui-là. Il a l'air d'être level 1. Non, il est level 2. Ok. Là-bas, c'est un ours et non pas un sanglier. Ouais, donc je vais essayer de me crafter le renfort de force. Augmente la force physique pendant un certain temps. Permet de récolter des ressources plus rapidement. Augmente les dégâts infligés aux armes de mêlée. Et je vais en tenter un pour voir si ça marche vraiment sur le bois. Ce qui m'ennuie, c'est avec le miel. Le miel, on n'en a vraiment pas beaucoup et il n'y a pas moyen de le farm toute l'année. Et je crois qu'avec la poêle, on peut peut-être se faire des côtes de porc au miel et c'est quand même vachement plus intéressant. Oh, une biche. Une biche, ça m'intéresserait quand même. Elle est level combien? Elle est level 2. Elle bouge pas. Très bien. Une biche, c'est très bien. Un peu de gras. Deux de gras, un cuir. Oh, ça c'est cool. Et un bon petit steak pour ce soir. Ça fait plaisir. J'essaye de monter vers les 50 en bois pour être tranquille. Du moment que les chasseurs vont pas me lâcher, j'aurai toujours besoin de bois. J'ai l'impression que ouais, c'est une poule. On va se la faire. Ouais. Où est ma flèche? La bonne question, c'est ça. Je l'ai raté tant que ça? Ah, ok, d'accord. Ah merde, elle était juste là, j'ai pas fait attention. Ok, ça me file des flèches. Et encore mieux. On va se manger ça. Elle est vite fait dans le boulot là. J'ai vu 2-3 caisses et en même temps je vais prendre les arbres, ça sera plus simple. Et cette nuit, il faut que je regarde où sont les feux de camp pour pas tomber sur les nomades. J'ai vraiment pas envie. Là. Faut juste que j'y pense maintenant, quoi. C'est juste ça. Ok, je vais monter à 50, hein, peut-être un petit peu plus. Un petit peu de cuivre, moi je prends. Ok. Prendre l'arbre là quand même. Ne serait-ce que juste pour les poules. Chasseur là-bas. On va pas y aller. Ouais, je vais faire une journée un peu bois. Mais ouais, j'ai plus envie d'être embêté avec ça. Ah lui j'y arriverai jamais. Mais oui non c'est bon je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.
aller choper l'arbre là-haut aussi. Au passage, il va seulement commencer à faire nuit. Ah putain, ça leur fait peur à chaque fois. La forteresse, elle commence à être balèze. On va s'approcher vite fait, mais je crois que le premier étage est fini. On va s'approcher, mais alors vraiment s'approcher quoi. Bah, lui, il est level combien? Level 1. Ah merde, il s'est arrêté pile poil. Oh! Non, non, mais t'as cru quoi, toi? J'avoue qu'il m'a fait un peu peur avec ses conneries. Oh, ça tire sur quoi, là? D'où que ça tire, déjà? Ça tire par là. Tire sur quoi, toi? Pas rien du tout. Ah, c'est triste. Et le fait que ça tire plus. Il a bougé tout à l'heure, il s'est levé comme ça. Il est level combien lui? Level 1. 3 flèches, faut pas que je les rate quoi. Allez. Chut. Ok, bon le gras, ça commence à revenir tranquille. 7, ça, je sais plus comment ça fait de biocarburant, on va regarder ça. Je vais me préparer des bâtons et des cordages. Même ça. Voilà. Oh lui, oh lui, oh lui. Qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu m'attaques. Alors je sais pas s'il me suit. On va vite faire regarder ça. J'ai pas l'impression. Il m'a juste tiré dessus comme ça gratuitement. Ouais, il est carrément bizarre. Est-ce que je peux me le refaire? Ouais. Ok, on est à 75. Allez, on essaye de monter à 100. Et après, je rentre. Il va vite fait. Oh, tu veux pas venir toi? Vas-y, viens m'aider. T'es solo mec. Il est fou lui. Ah, le feu vient de s'éteindre, c'est moche ça. Il est où lui? Ok. Mais non, mais non, mais non, mais non. Oh putain. Tu paniques. Arrête, tu vas tout casser. J'ai plus de flèches en plus. Bon bah attends, bouge pas. Voilà, couché, pas bouger. Bon, faut vraiment réparer. J'ai vu que j'avais une poule level 10. J'ai plus de place. Ça, c'est triste. Waouh, je suis dans le mal total. On va leur donner ça. Ça aussi. Et je vais leur filer ça. Et on va se faire ça. Ok, viens là, toi. Hop là. Ça, ça donne aussi du gras. Et ça, j'aime beaucoup. Je me découpe. Le petit ours. Lui aussi il devrait me donner un peu de gras et un peu de cuir. Ça c'est propre. J'en profite pour réparer ça. Ah, j'ai un lapin là-dedans, c'est cool. Bon, il est mort, mais quand même un lapin.
Ok. Je vais me laver les mains. Je vais remplir ma gourde. Parce que l'ours m'a quand même bien dépanné. Allez, oh, 2 pièces d'armes. Je crois qu'on a tout. On va se faire ça. Voilà. Est-ce qu'on peut tout prendre? Non, on peut pas tout prendre, évidemment. Bon, le mec était tout seul. Et ça me paraît bien étrange. On est à combien, là? On est à 200. Ouais, on est pas bien du tout. Ça s'est éteint. Ça ne m'intéresse pas. On peut peut-être se refaire des lingots, là, du coup. Je vais déjà ranger ça. Oh, il manque une pièce. Et on est pareil pour lancer le truc. Et non, là, je vais le prendre. On va la tuer. Attendez, je vais voir comment ça donne. 6 de gras. Ah, c'est pas mal, ça. Coupé en deux, voilà. Les foies, on va les stocker pour manger plus tard. Je vais me prendre un steak. On va se mettre ça. On va se mettre ça. Ok. On va se mettre ça aussi. On va pouvoir largement. Wouah, c'est magnifique. Tout est bien, qui finit bien. Alors du coup, on a dit qu'il nous fallait 1150. Ok, bon, ça sera peut-être pas pour, pour cette journée. Mais ouais, on s'est refait en cuir un peu. On va se faire ça. Et on va se réparer un peu tout. Voilà, ça. Oh, c'était à deux doigts de péter. Je vais aller regarder là-haut vite fait, parce que je voudrais pas que ça pète ça non plus. Oh, c'est bon. J'ai envie que ça crame. Voilà. Ouais, on va pas... je vais pas être plus content que ça, en vrai. C'est ici. Non, je sais plus. Il y a un endroit. Voilà. Où je voulais remettre un coup. Voilà. Je vais aller voir en bas. Oh, je vais me faire une structure. J'ai l'impression que... on n'est pas trop mal là. Toutes les tomates sont prêtes. Et le coton est prêt. Wow, ça c'est beau. Voilà, coton, il nous en reste 2. Ça c'est cuit, c'est parfait. Ok, alors, on va se prendre toutes les petites tomates là. Et on va se prendre... les herbes médicinales, je sais pas quoi. À 8. La pomme de terre. Alors déjà, on va se remettre des graines de tomates. On va se remettre des graines d'oignon aussi. Voilà, 5, c'est bien. Graines de tomates, on va s'en faire 5. Ça en fait 7. Ouais, c'est pas mal. Voilà, parfait. On va leur filer de la flotte. On va remettre de l'engrais aussi. Voilà, ouais. On va se mettre ça. On va en remettre 2. Voilà, full oignon quasiment. Et là, full tomate ou presque. Tomate, oignon, c'est vraiment... voilà, il commence à faire jour. J'ai pas lancé la structure. On va se lancer la structure vite fait. Ah, le temps passe beaucoup trop vite, quoi. On va en mettre une par une pour voir. Voilà, là, ils sont refaites. On a 9 cotons, ça fait 3... ça fait 3 cotons rembourrés, plus celui qu'on a déjà à la maison. Il en manquera plus que... pas beaucoup, en fait. Limite, je crois que j'ai tout pour faire le manteau. C'est la priorité pour moi. Alors, attends. Laisse-moi passer. Voilà. Les oignons, on va se les ranger pour la prochaine fois. Les lingots, on va pouvoir se les faire, je pense. Là, on a encore un peu. Je crois que c'est que 5 pour un lingot, donc normalement, là, on peut en faire 2. Parfait. Donc, ça veut dire que là, on a absolument le four. Là, il nous en manquerait 4. Du coup, il m'en manquerait... Moi, il va pas manquer beaucoup. Et après, je switcherai... Alors, je voulais me faire ça. 2 toniques, j'en ai qu'un, évidemment. C'est juste pour le test, parce que vraiment, claquer un cuir, déjà, ça m'ennuie. Mais alors,
claquer un miel, c'est encore pire. Voilà. Ok, bon, on testera ça. Et il nous faut 150 d'énergie. Alors, je vais les passer maintenant. 89. Voilà, bon, on est à 175. Là, quand on revient, normalement, ça sera complètement prêt. Ok, normalement, on a tout là. Hop, on va se lancer ça. Là, on fait les 4. Et excellent. Excellent. Voilà, bon, on aura à gérer un peu la base, mais on n'a pas le choix. Ok, bon, on est tout bon. En bouffe, on est bien. Je vais manger juste un œuf. Pourquoi ça moisit ? Oh, il est pas allumé. Ah, ça, c'est vilain. C'est vilain, pas beau. Bon, ça va, j'ai... Ah, j'ai perdu deux fois. Bon, allez, on se casse. On essaye de se refaire une structure sur la... Sur la fin de journée. Histoire 2. Lui, il est level 2. On va le laisser tranquille. Je pensais que c'était du coton, mais en fait, pas du tout. Donc ouais, on se lance le four, on se lance la poêle. Ouais, je pense même qu'on pourra pas faire les deux en même temps, mais au pire des cas, voilà, on aura tout. Et bah, dans le prochain épisode, on se refait l'arc et on l'améliore au moins level 2. Au moins. Ça sera la priorité du joueur. Il est combien lui? Il est toujours level 2. C'est le même que tout à l'heure. Ok, je vais aller chercher le gros arbre là-bas. Et je vais tester directement le truc là pour voir. C'est vraiment aussi efficace qu'il paraît. C'est pour la science. Alors, on va l'utiliser. Oui, deux coups. Ok. Ah oui, quand même. Et ça donne pas plus de bois que ça, quoi. D'accord, deux coups. Bon bah je profite de ça pour l'instant. Ça dure quand même une certaine période de temps. Alors, à voir. Sur une partie un peu plus avancée, je pense qu'il y a peut-être moyen de l'utiliser un peu plus régulièrement. Là, moi j'ai que 10 miel. Alors après, à voir. Si... Ce qui est le plus intéressant. Quand j'aurai récupéré le tout ce qu'il faut pour le four, on regardera ça. Au pire des cas, on utilisera... Parce que ça dure quand même assez longtemps. J'ai déjà à 42 bois. Et c'est toujours pas éteint, quoi. C'est quand même propre, quoi. Ça marche plutôt bien, quoi. Alors comme moi, ramasser du bois, ça me fatigue un peu. Là, j'en ai fait 50 en pas très longtemps et j'ai encore le bonus. Et c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Bon, en vrai, je pense que le mieux... Rien. Ah non, non, mais... Ah non, bah j'ai plus le... Voilà, j'ai plus le bonus. Mais le mieux pour l'utiliser, ça serait de se mettre dans le boulot. C'est vraiment que des arbres à 4 ou presque. Et farm du bois en quantité, quoi. Parce que là, on est sur des bois à 3. Du coup, c'est pas dingue. Mais ouais. Claquer un miel pour ça, franchement, ouais, ça vaut peut-être le coup. Vraiment. Bon, bref.
Le seul souci, c'est que le miel, super long à avoir, quoi. Évidemment, faut que je lui fasse peur. Je t'aurai de toute façon, je t'aurai. Elle est là. Ah. Ouais, ok. Je lui ai fait peur, je crois. Ma flèche est ici. Les chasseurs sont par là. Oh, des clous. Allez, donne-moi des clous. Oh, excellent. Je crois que j'ai une poule level 7. Il faudrait peut-être que je pense à les remplacer. Ah, ça c'est cool ça. Biocarburant gratuit. Ok, des balles. Pourquoi pas. Un loup level 2, ça ne m'intéresse pas. Ça par contre ça m'intéresse. Ouais, je pense que ça doit être le même principe pour le truc de force. J'avoue que j'ai pas essayé là-dessus. Mais ouais, je pense que ça doit se faire en 3 coups. Vu qu'il en faut 5. Ouais, je pense que ouais. Ça peut être 3. Ah putain, le lapin de. Oh, c'est pas un oignon ça? Oh, une graine d'oignon, c'est encore mieux. On va se prendre ça avant. Hop, et là je vais me faire le petit arbre. Oh, c'est carotte ou oignon? Oignon ça. Oignon ramassé, c'est cool. D'ailleurs, on va faire ça vite fait. Voilà. Avant de le perdre. Ouf. Très gentil. Alors je manque pas de plumes ou quoi que ce soit, mais je manque surtout de cuir et ça c'est chiant. Ah le salaud. Ah je l'ai foiré, il était trop près, la deuxième flèche elle était trop longue à sortir. C'est pas grave, on va se faire ça et on va se faire ça. Je regarderai un peu pour... refaire des antibios au moins un, mais je crois que j'en ai encore un dans le coffre, je suis sûr de rien. Le pire des cas, je peux faire du tonique, j'ai des varechs dans le frigo, ça c'est sûr. Donc je pense que je vais pouvoir en refaire. Jouer avec l'infection, c'est quasi impossible quoi. Là, on est dans le grillage. C'est dommage. Il n'y a pas de la flotte dans le coin, là? Si, tout droit, si on descend, évidemment. Voilà. Il va falloir le piolet, quoi, pour aller chercher toutes ces ressources. Alors, on va se prendre ça. Il va me laisser tranquille? Ouais, cool.
J'irai bien chercher la caisse bleue, mais lui il voudra jamais, je pense. Ah, tant pis. Tant pis pour la caisse bleue. Oh, une graine de coton. Waouh, excellent. Excellent. Ça met pas si longtemps que ça à pousser, je crois que ça doit mettre 3-4 jours. Ah, quand même. Ok, des balles de pompe. Je suis preneur. Si on pouvait se croiser un petit chasseur là. Ah, quoique, non, peut-être pas. On va quand même. Priorité au four. Et seulement après. On se refait l'arc. Je sais plus ce que je cherchais. Oui. Je voulais faire ça. Des cordages, voilà. J'ai des clous. Parfait. On va se faire le mur. Ok, on se fera le mur tout à l'heure, mais il est prêt. Une carotte, pourquoi pas. On va se prendre ça sans l'exciter, l'autre petit là. C'est toujours la rune de l'élan. Ok. Alors lui, il est level combien lui? Level 2. Ouais, on peut le tenter quoi. Il faudra 3 flèches. Oui, calme-toi, calme-toi. Sais pas s'il me suit encore. Il a disparu, j'ai l'impression. Monsieur le loup? Ah, il est là. T'es perdu, non? Oh, viens là. Fais quoi, là? Eh bah, justement, excite-toi, mais viens là. 27, je sais plus. Je sais plus si ma flèche le. Je sais plus du tout. J'ai un gros doute. Il me suit plus? Eh, mais c'est quoi ce loup en papier? Ok, alors, il est à 29. Je crois que c'est 35, mais je voulais pas prendre le risque. Ok, un cuir. Des fois, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je vais regarder là-dedans s'il n'y a pas un peu de varech. De mémoire, je crois que j'en ai que 3 dans la maison. J'en ai un là-bas déjà. Ok, j'en ai un ici aussi. Ah, du coup, avec le truc de force là, je pense qu'on mine une perle en une fois. Un coup et la perle saute quoi. Non, ça ne ben, ça aurait pas d'avantage. Un chasseur. Wow. Ah, il est venu pêcher. Ouais, au pire des cas. Ah, ça y est, il m'a détecté. Enfin. Il est tout seul. Alors, par contre, ça risque d'être un peu la vengeance. Je l'ai raté, évidemment. Pas t'asseoir. Voilà.
À moi. Voilà, je suis couché, pas bougé. Et on va se mettre ça. Ah putain, j'ai plus de bandage. Oh, la pièce d'arme. Excellent. J'ai kiffé. Viens là, toi. Allez, je suis là. Ouais. On va peut-être pas faire les malins non plus. Il me suit ou pas? Non, il est bugué contre l'arbre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah putain. Alors 27, cherche pas. Il va mourir. Ok. Ah là, je suis content. En plus, il m'a pris du grès. Ça, c'est sympa aussi, ça. Ils sont vraiment sympas, ces chasseurs. Ah oui. Il vient de venger quand tu veux. T'as le droit. Parce qu'il va me manquer 3 pièces d'armes, je crois, pour augmenter le... l'arc level 1. On n'a pas du Varek, si. Il y a du Varek, évidemment. Là, j'ai vu les trucs, je sais pas si c'est du grès. Ah, je crois que c'est du grès. Ouais. Ouais, je vais en prendre un peu, histoire de... Hop là. Il y a de l'orage, on est bien. On est à 60, on va se monter un petit peu plus là. Vu que je pense que juste après je vais rentrer, il va commencer à faire nuit. Ouais, je vais quand même prendre la caisse avant. Voilà, je préfère. En plus pour une pomme, ça c'est bien parce que les poules, ils vont kiffer. J'ai pas lancé la structure par contre. Voilà, on va se la lancer maintenant. 74, ça commence franchement à être propre. Je vais le mettre ici. Voilà. Où ils en sont, eux? Ok. T'es dans le poulailler, toi t'es level 3. Ok. Et l'autre, elle est où? Elle vient de rentrer, non? Non. Elle est level 6. Ok. Alors, les pommes, je vous les file. Ça aussi. Alors, on va aller chercher du varek vite fait là-bas. Et si on trouverait un petit lapin. Il y a plein de trucs encore, c'est chiant. Est-ce que je me referais pas vite fait une structure? Ouais, on peut se faire ça. Ça, on est bon. Et ça, on est bon. Ouais, comme ça, en fait, je ferme ici complètement. Et je ferme de là aussi. En gros, il me faudrait 4 structures. 4 structures, c'est beaucoup. Ah, cool. Voilà. Alors, un petit varek là-bas. J'en ai combien? 3. Ah, il y a une perle en plus. Oh, c'est cool. Du coup, je sais même pas s'il y a du varek. Une perle, ça me va très bien. On va varek juste là. Et là, juste un petit peu plus bas. Est-ce que je vais pas prendre des dégâts un peu? Ouais. Les deux autres, je vais aller les chercher aussi, je pense. Ouais, non. Il va faire complètement nuit. Et là, j'ai ce qu'il faut en plus. Donc, ouais. Du coup, ouais, on va se lancer le petit mur, voilà. Ouais, ouais, il manquera 3 murs pour les enfermer complètement. Ah, je prends des dégâts de froid, ça commence. Ok, très bien. Je vais me chercher l'arbre là, vite fait. Ça pique. 1 degré, quoi. Ok.
Ah, je vais quand même prendre la caisse parce que je suis un peu fou. En plus, pour une pomme, là, on a rien. Alors, on en est où, toi? Oh, 1300. 1300, je pense. Est-ce que c'est fini, ça, la patate? Parfait. Se mettre le coton. Se mettre de l'engrais. Oh, de l'engrais, je commence à en avoir... pas trop mal, là. Ouais, on est pas mal du tout. Alors, du coup, là-dedans, on a les lingots qui va nous manquer. On va prendre ça. Voilà. On va se prendre ça. On en a 8. Il nous en manque que 2. Bam! Voilà. Alors ça, ça fait franchement plaisir. Je crois qu'il en faut 400. 400 d'énergie. Ouais. Je pense même qu'on va se faire les lingots qui nous manquent, là. Au moins les lingots. Du coup, on a dit 2. Ouais. Ok, 2 lingots. Paf, paf. Voilà. Ça, c'est beau, ça. 1, 2, 3. Excellent. Oh, je vais allumer ça, du coup. Le mec a l'air de geler les couilles. Excellent. Ça, c'est toujours allumé. Il est flippant. On va se prendre des steaks. Voilà, un tonique. Je l'ai pas récupéré celui-là. Voilà, ça serait bien mieux. Le varec, on va le mettre dedans. Oh, j'ai plus rien, quoi. J'ai mon tonique. Ouais, j'ai les foies. Hop, hop, hop. On va se faire ça ici. Et voilà, on a les 15. Ça, c'est bon, ça. Alors, on a le four. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour la poêle? 25 et 5 de machin. Oh, c'est bon, ça. 5. Et là, il nous en faut 25. Ouais, on en a 32. C'est très bien. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus jour, là. J'ai le mur. Je peux pas descendre, mais j'ai le mur. 100 d'énergie. Ouais, du coup... Ouais, on a tout, quand même. Et ça, c'est bien. On va se refaire un bandage, au moins. Voilà. Voilà, ça, ça sera pour la poêle. Hop, ça, c'est bon. On est quasiment à 200 de bois. On est bien remonté. Normalement, prochain épisode, on est bon. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu et à bientôt.